Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a un an, vous vous souvenez peut-être, nous avions suivi les Actes des Apôtres dans les 12 premiers chapitres où Saint-Luc suivait particulièrement l'apostolat de Saint-Pierre. Eh bien, en ce temps de la Pentecôte, là, 2016, nous allons plutôt suivre maintenant les 12 derniers chapitres des Actes des Apôtres et nous allons suivre l'apostolat de Saint-Paul apôtre. Donc après avoir suivi Saint-Pierre, Saint-Luc va suivre l'apostolat de Saint-Paul, qui lui aussi bien sûr prêche avec le zèle apostolique que nous lui connaissons, et qui prêchera d'abord lui aussi aux Juifs. Et que prêche-t-il aux Juifs? Eh bien sûr en substance la même chose que Saint-Pierre, c'est-à-dire la rémission des péchés par Jésus-Christ, c'est-à-dire le salut par le Christ. On ne peut pas prêcher ultimement autre chose. Et ce discours bien sûr va toucher les cœurs de certains et énerver et scandaliser les cœurs des autres. Donc certains se convertissent et encouragés par ces conversions, le sabbat suivant, le samedi suivant, saint Paul va de nouveau instruire les Juifs là où ils sont, c'est-à-dire dans les synagogues. Mais d'autres Juifs justement, voyant cette multitude qui commence à suivre saint Paul, donc à se faire chrétien, sont remplis de colère et de contestation et vont contredire saint Paul, l'empêcher de prêcher et le même jusqu'à blasphémer. Alors les apôtres Paul et Barnabé vont leur dire hardiment ceci. C'est à vous, donc aux Juifs qu'ils parlent, c'est à vous qu'il fallait d'abord, premièrement, annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voilà que nous allons vers les gentils, c'est-à-dire vers les non-juifs. Et cette phrase est très importante et nous retrouverons cette prédication de saint Paul sur la prédestination. Nous le verrons ça tout de suite après, et sur cette condamnation qu'il leur donne. Cette réponse donc va bien sûr exciter la jalousie des Juifs, mais va aussi en même temps réjouir les gentils qui, comme le dit saint Luc, tous ceux qui avaient été prédestinés à la vie éternelle embrassèrent la foi. Et il y a le mot prédestination, donc c'est un mystère de notre rédemption révélé, qui a été bien sûr caricaturé par les protestants, mais il y a une vraie prédestination positive de Dieu, c'est-à-dire une grâce particulière, toute gratuite de Dieu. Et à cela, Dieu les pousse à embrasser la foi. Dieu, c'est un grand mystère que nous ne pourrons jamais épuiser, mais Dieu, tout en respectant la liberté de chaque homme, peut guérir infailliblement ceux qu'il a prédestinés au salut éternel. Alors que font les Juifs face à cette réaction des apôtres? Là aussi la tactique est vieille comme et n'a pas changé, elle est vieille de 2000 ans et elle continue aujourd'hui. Saint Luc la rapporte ainsi. Les Juifs ayant excité des femmes pieuses et riches, donc influentes, et ayant ameuté les principaux de la ville, donc les pouvoirs en place, d'Antioche, la ville d'Antioche, ils allumèrent une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent du pays. Donc, vous voyez, la technique, elle n'a pas changé, puisqu'on ameute l'opinion publique en faisant, en soudoyant ou en influençant les gens qui ont la puissance, donc l'argent et ou les rênes politiques. Donc Paul et Barnabé vont donc partir de ce pays en appliquant la recommandation que notre Seigneur leur avait faite. Si quelqu'un ne vous reçoit pas, donc dans la prédication du Christ, si quelqu'un vous ne reçoit pas, sortez et secouez la poussière de vos pieds. N'ayez plus rien avec eux, c'est fini d'une certaine manière. C'est ce qu'ils firent donc, et ils partent d'Antioche pour aller à une autre ville, Icône. Et là de nouveau, c'est le même schéma, il y a prédication par saint Paul à la synagogue, il y a conversion de certains juifs et de certains grecs, et puis aussi bien sûr opposition d'autres dans la ville. C'est là toujours la division. Et là, Dieu vient, apporte la paix et l'unité à ceux qui veulent entendre cette parole et en profiter, mais pour les autres c'est la division, c'est le scandale, c'est la persécution pour les chrétiens. Saint Luc rapporte: les uns étaient pour les Juifs, tandis que les autres étaient pour les apôtres. Et là encore, les apôtres ne font que réaliser ce que notre Seigneur avait prophétisé. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, c'est-à-dire la lutte, la division.
Le glaive, c'est ce qui coupe, c'est ce qui sépare. Alors les Juifs voulant lapider saint Paul à Icône, eh bien, et saint Paul l'ayant appris, eh bien, va quitter la ville pour une autre ville, et ainsi de suite. Il arrive donc à Lystre, et là, il y fera un fameux miracle où il va guérir un boiteux de naissance, qui écoutait sa prédication. Alors la foule, voyant ce miracle, foule plutôt païenne, eh bien, va prendre les apôtres pour des dieux. Car le pouvoir qu'ils ont dans les mains dépasse le pouvoir humain. Donc ce sont des dieux, diront ces païens. Et ils vont appeler Barnabé du nom de Jupiter, parce qu'il avait une voix plus forte. Et Saint Paul, ils vont le surnommer Mercure. Alors, s'apercevant que la foule veut comme sacrifier devant Paul et Barnabé, eh bien les apôtres, bien sûr, interviennent pour les arrêter. Ils leur disent, « Amis, qu'allez-vous faire? Nous sommes des hommes comme vous. » Sujet aux mêmes faiblesses que vous. Nous vous annonçons qu'il faut quitter ces vanités pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel et tout ce qu'elle renferme. Vous voyez cette réaction des apôtres face à l'honneur, ils sont bien sûr insensibles. Non seulement ils sont insensibles aux honneurs, mais ils sont les apôtres de la vérité. Et ils la disent très simplement, même lorsqu'elle n'est pas à leur faveur. Ils leur disent, nous sommes des hommes comme vous, sujet aux mêmes faiblesses que vous. Et non seulement ils ne refusent les honneurs, mais ils n'hésitent pas à reprocher les désordres de cette foule qui allait les honorer. Quittez ces vanités et servez le Dieu vivant et vrai. Et c'est la réaction eh bien, chrétienne apostolique qu'il nous faut aussi avoir. Être les apôtres de la vérité, savoir faire le reproche à ceux même qui nous flattaient et avoir l'humilité de concéder ce que nous sommes. Pas grand-chose. Et saint Paul enseignera ceci explicitement aux chrétiens de Corinthe. Cette sujet aux mêmes faiblesses que vous, dit saint Paul. Il dira ceci aux Corinthiens. Ce n'est pas, il parle de nous, des apôtres, mais c'est vrai de tout chrétien et de toute créature. Ce n'est pas que nous soyons capables de quelques bonnes pensées comme de nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui nous en rend capables. Et c'est là le fondement de notre humilité. C'est la vérité est la suivante. Nous ne sommes capables d'aucune bonne pensée par nous-mêmes. Nous ne sommes capables d'aucune bonne pensée par nous-mêmes. Et lorsque nous faisons le bien, est-ce que nous avons une bonne pensée? Eh bien, à l'origine, la cause ultime de cette bonne pensée qui vient de nous, c'est vrai, que nous avons produite, c'est vrai. Mais la cause première, la cause ultime, c'est Dieu. Et sachant cela, eh bien, nous ne pouvons pas nous enfler d'orgueil. Nous ne pouvons pas nous élever. Et saint Paul était bien sûr enseigné cela parce que c'est la vérité et bien sûr il en était lui-même persuadé. Alors, gardons cela dans notre mémoire pour nous garder nous-mêmes de l'orgueil. Rien de bon n'est de nous à l'origine, de manière causale. Même pas la foi à laquelle nous avons adhéré, c'était encore un don de Dieu. La seule chose qui est vraiment de nous, qui est propre à nous, c'est le péché. C'est la faiblesse, c'est le manque de perfection. C'est la corruption du bien. Oui, ça vient vraiment de nous. Et bien sûr, il n'y a pas à s'enorgueillir de cela. Les pères et tous les auteurs, eh bien, le répètent, les prédicateurs le répètent dans tous les siècles. Nous sommes poussière, cela vient de la Genèse, nous le savons. Nous sommes cendre, fumée légère. Nous sommes ombre rapide, disent toutes les images pour montrer l'inconsistance de l'homme, la futilité de l'homme, l'extrême fragilité de l'homme. Alors pourquoi nous enfler? Pourquoi nous élever? Certains s'élèvent parce qu'ils ont telle qualité, ils sont généreux, ils le savent, ou ils sont intelligents, ils le savent, ils sont plus forts, et ils le savent, ils sont de bons conseils, et ils le savent. Mais ils oublient qui leur a donné ces qualités, qui leur a donné ces richesses, d'où viennent-elles? D'où viennent-elles cette santé qui nous permet d'être utile aux autres? D'où vient-elle cette intelligence qui nous permet d'être de bon jugement pour les autres, etc., etc. Tout cela vient de Dieu, tout cela est don de Dieu, tout cela est produit par Dieu. Alors pour éviter cette enflure du cœur, eh bien, n'oublions pas que tout vient de Dieu et que nous sommes plutôt pécheurs par nous-mêmes et que bien souvent, malgré tous ces dons que Dieu nous a faits, nous souillons l'œuvre de la création, nous souillons l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la rédemption. Nous n'avons rien en propre, je vous le disais, si ce n'est le péché.
Alors si nous avons reçu tant de faveurs, qu'elles soient naturelles ou surnaturelles, si nous avons même reçu plus de faveurs que les autres, eh bien nous devons non pas nous enorgueillir, mais bien plus nous humilier plus que les autres et trembler plus que les autres de peur, eh bien, que ces faveurs divines tournent à notre ruine par le mauvais usage que nous avons fait. Retenons donc cette pratique, cet enseignement des apôtres, et qu'il nous aide à pratiquer la justice qui implique, eh bien, cette humilité intérieure, pas seulement extérieure. Dieu nous jugera sur nos pensées, et nos pensées doivent être humbles face à lui-même. C'est ce que je vous souhaite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.